Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Alors dans cette vidéo je vais vous informer un petit peu plus parce que peut-être que le titre n'est pas assez explicite pour vous. Mais effectivement en fait je fais un sorte de petit casting. Enfin casting c'est un bien grand mot sur Movistar Planet hein, mais vous me comprendrez. Alors en fait ça fait un petit moment, ça fait déjà plusieurs mois même que je suis sur un projet de refaire une série. Parce que j'avais commencé une série, c'était sur Quinzel, sur l'ancienne chaîne encore. Je crois que je dois encore avoir la vidéo quelque part. La première d'ailleurs, parce qu'en fait c'était une série, donc le premier épisode de la série vous avait énormément plu. Je n'avais jamais fait de suite et en fait j'avais envie de continuer, mais le problème c'est que je laguais trop sur Quinzel pour faire une suite et ça m'a rapidement saoulé. Effectivement c'était très très chiant et c'était impossible pour moi de faire une suite. Et du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit peu, vous voyez en ce moment je ne joue plus trop avec mon compte Limonade, mais il a des diamants, il a des star coins. Et il lag beaucoup beaucoup moins que Quinzel. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais utiliser Limonade pour faire une série à zéro. Parce que franchement, vu que ça fait tellement de temps, ça fait plusieurs mois, voire ça fait une année, puisque c'était sur l'ancienne chaîne encore, donc ça faisait une année ma dernière série. Le premier épisode de ma dernière série, du coup après un an, franchement j'ai pas envie de reprendre une série qui date autant. Mais du coup, recommencer sur une nouvelle base. Alors j'ai déjà un petit peu des idées pour la série, enfin en fait j'ai plusieurs idées. C'est un peu le fouillis parce que du coup c'est plusieurs idées mais peut-être pas forcément bien raccordées. Et mais du coup faire une série pareil hein, sur l'adolescence, les problèmes d'ado, etc. etc. Ce sera une série qui sera uniquement postée sur ma chaîne YouTube. Un moment parce que vous connaissez Movistar Planet, hein, pour un caca prout ils vont me bannir. Du coup je vais pas poster la série sur Movistar Planet, elle sera en privé et elle ne sera publiée uniquement sur la chaîne YouTube. Donc pour la suite il faudra bien sûr passer par la chaîne YouTube, mais du coup j'ai besoin de votre participation. Alors juste un petit détail, ce que je vais faire c'est un énorme tri également sur Limonade pour essayer d'avoir le moins d'amis possible. C'est pas contre vous, hein, absolument pas contre vous. C'est juste que, tout simplement pour éviter de laguer, pour pouvoir faire les vidéos sur la série en dehors du couvre-feu, parce que bon, je vais pas tout le temps attendre minuit que le couvre-feu soit là pour pouvoir faire la série sans laguer. Là, ça va être limite le couvre-feu, il est moins 10. Je lag pas forcément beaucoup, mais voilà, suffit que ce soit en week-end ou quoi, ou suffit qu'après la vidéo vous sachiez que j'utilise Limonade pour créer ces vidéos là et puis ça va être fini pour moi, je vais être fini dans le game. Mais du coup je ne vais accepter en ami que les personnes qui font partie du casting les avoir dans les amis, parce que j'en aurais besoin pour les ajouter dans les vidéos. Alors je vais juste vous montrer quelque chose. D'abord, alors le personnage principal, puisque les personnages entre guillemets principaux ont déjà été choisis. Donc ce sera Lalo Balou. Je vais vous montrer, donc Lalo Balou. Oh mon dieu, je trouve bizarre. A déjà son propre look. Donc je vais vous expliquer comment participer, etc. Les modalités de participation. Je vais juste vous présenter d'abord le personnage principal qui sera celui de Lalo Malou. Donc là je vais vous montrer dans les looks. Donc c'est un look que je lui ai créé. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc ce look là sera le look du personnage principal. Donc j'ai voulu faire quelqu'un, voilà, dans ces vibes là, tu vois, genre en mode bien en noir avec les cheveux rouges, j'adore. Et du coup, elle joue le rôle du personnage principal, qui d'ailleurs j'ai appelé l'ex-normal. Pourquoi normal? Parce que ce sera son look normal, donc du coup, par la suite, je devrais lui créer des looks différents, c'est-à-dire ce sera l'ex-autre chose, l'ex-blabla, parce que forcément, bon, on ne sera pas tout le temps habillé pareil pour la série, pour les besoins de la série. Et du coup, le deuxième personnage principal qui est la méchante, qui sera la méchante, la grande méchante de la série, ça va être... Et là, vous voyez Quinzel écrire Quinzel YouTube. Effectivement, ce sera mon propre personnage qui jouera le rôle de la méchante. Hein, parce que je suis vraiment méchante même dans la vraie vie. Ouais, et je vais vous montrer le look que je vais créer. Bon, je vous en avais déjà parlé sur plusieurs lives pour des fois quand je tombais sur le look. Et je vais vous montrer ça, c'est dans l'un des derniers looks que j'ai créé. Voilà, c'est Quinzel normal. Alors, je ne savais pas quel prénom j'allais lui donner encore à ce personnage méchant. D'ailleurs, si vous avez des idées
pour un prénom pour elle, bah dites-le moi. Donc là, vous avez l'impression, oui, elle est toute belle, elle est toute gentille, elle a l'air d'être toute mignonne, mais en vrai, voilà, le gros cliché des films ou des séries américaines, la pom-pom girl blonde qui est tout simplement une peste. Donc elle jouera le rôle de la peste, elle sera pom-pom girl, voilà. Voilà, tous les gros clichés made in America, hein, vous savez. Et du coup, ça, c'est les deux personnages pour l'instant qui sont déjà prévus dans la série. Bien sûr, j'aurais besoin d'autres personnages, c'est-à-dire les deux amis. Je sais pas pourquoi les deux amis, mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que les méchantes, elles sont toujours en trio, quoi. Du coup, ces deux amis à elles qui seront des personnages secondaires, mais qui seront quand même pas mal dans la série. Donc, elles seront pas mal, elles seront là souvent, voilà. On va dire ça comme ça, elles seront quand même là, elles seront secondaires, mais elles seront quand même là souvent, même si c'est en second plan. Elles participeront bien sûr. Au niveau, pour l'instant, je ne veux pas vous en dire trop non plus. Mais comme personnage principal, garçon, ce sera Limonade. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu prends trop. Enfin, tu laisserais pas un ou une de tes abonnés prendre la place principale. Le souci étant, c'est que si un jour la personne qui joue un rôle principal arrête de jouer à MSP et que moi je suis bloquée, soit parce qu'elle détestait son compte, soit parce que. Je sais pas, moi par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'un nouveau look pour le personnage principal. Bah après je suis embêtée, je vais devoir m'amuser soit à chaque fois le rhabiller dans le film pour qu'il ait le look que je veux qu'il ait, je sais pas, ou soit recommencer un nouveau compte en recopiant le look exactement, voilà, ce serait assez, voilà. Donc c'est pour ça, les personnages principaux, je préférais que ce soit des personnages auxquels j'ai accès et que je peux moduler rapidement sans avoir à passer par 36 chemins. Du coup, ce sera Limonade. En plus, il lui reste des diamants, donc si j'ai besoin de lui acheter des animations, des looks, etc. Avec des diamants, j'aurai ce qu'il faut sous la main. Ensuite, ça par contre, ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais c'est vraiment pour le besoin de la série également, puisque bah, j'ai quand même envie de faire une série qui va durer dans le temps, qui vous plaira, et du coup, je veux quand même avoir les moyens et faire quelque chose de bien. Du coup, pour les participations, pour les personnes qui veulent participer, alors vous pouvez me demander maintenant, dès maintenant, dans les commentaires, vous me dites « moi, je veux participer, mon pseudo », et vous me donnez votre pseudo. Et ensuite, moi j'irai vérifier vos looks, les looks que vous avez dans vos looks, votre look général et ce que vous avez en animation. Donc là, ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais forcément une personne qui a plus d'animation qu'une autre aura plus de chances d'être retenue. Également, si une personne a forcément plus de looks qui pourraient m'intéresser, et en plus de ça, des looks qui se ressemblent, c'est-à-dire le même visage, la même coupe de cheveux, mais pas les mêmes vêtements, c'est-à-dire le même personnage mais avec des vêtements différents, pas complètement différents, parce que c'est vrai que bon, voir toujours les mêmes personnages toujours habillés pareil, c'est un petit peu relou. Franchement, j'aimerais bien faire quelque chose d'assez sympathique et comme je disais tout à l'heure, qui dure dans le temps, du coup, ce qui veut dire qu'il dure dans le temps, donc qui se change régulièrement, mais qui ne change pas de coupe de cheveux tous les jours non plus. Je pense que vous avez compris le message que j'essaie de faire passer dans la vidéo là. Et du coup, je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'affaires, pas forcément beaucoup d'animations, etc., etc. Après, bien sûr, je pense que de temps en temps, j'aurai besoin de personnages différents dans le fond, donc dans le troisième fond, en fait, j'ai envie de dire troisième plan, qui seront là juste dans le fond pour meubler le décor, mais qui ne participeront pas. Donc éventuellement, à ce moment-là, je pourrais vous ajouter, voilà, on va dire entre guillemets les figurants, pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'affaires, etc., mais qui veulent quand même essayer de tenter leur chance. Voilà. Et écoutez, vous pouvez laisser vos commentaires, votre pseudo en commentaire. Alors bien sûr, moi je vous dirai, enfin voilà, je vous demande de ne pas non plus me dire ce que vous voulez être dans la série, parce que le script de la série, voilà, c'est comme les acteurs, c'est pas les acteurs qui choisissent ce qu'ils font dans la série. Après, je peux comprendre qu'une personne ne veut pas jouer un mauvais rôle, mais forcément j'aurais besoin aussi de mauvais rôles, et du coup, bah de toute façon, je vous préviendrai, si vous avez été choisi dans la série, je vous dirai à peu près le rôle que vous jouez dans la série. Vous pourrez bien sûr refuser, hein, si vous ne voulez pas participer dans la série là, pour jouer un mauvais rôle, je peux comprendre. Après, voilà, bon, en général, les acteurs, ils sont là, ils font leur taf. moi, après, ça me dérange pas, la preuve, je joue le rôle le plus méchant de la série, hein.
Voilà, il y aura forcément des rôles méchants, des rôles qui seront un peu plus ingrats que d'autres. Mais de toute manière, à ce moment-là, je vous préviendrai si vous avez un rôle gentil ou méchant, si vous êtes secondaire ou un peu plus souvent là, bref. Et également, il y aura des personnes qui seront retenues, mais qui forcément ne participeront pas forcément dans les premiers épisodes, mais viendront par la suite. Voilà, j'ai un petit script en tête. C'est encore flou. Ah bah voilà, couvre-feu. C'est encore flou, mais j'ai quand même... Voilà, j'ai un script dans... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait, je sais déjà ce que je veux faire, mais voilà, c'est pas écrit dans les détails, c'est pas encore bien chronologiquement dans ma tête. Mais bref, voilà, il y aura beaucoup de rebondissements, il y aura du rire, il y aura des pleurs, ce sera quand même une série un peu dramatique, comédie en même temps. Donc voilà, il y aura des moments un peu plus gênants que d'autres, etc., etc. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Et aussi également, bah, je pense que de toute manière, il y aura, je pense, quelques petites insultes, mais je vais les censurer, les insultes, vous inquiétez pas. Parce que bon, je vois mal, comme j'avais dit dans ma première série, je vois mal des adolescents dire zut ou flûte, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, je vais pas vous en dire plus, vous en savez déjà beaucoup. Je voulais même pas vous en dire autant au début quand j'ai commencé à record cette vidéo. Et bah écoutez, voilà, vous pouvez participer pour le casting, et bon, ça prendra plusieurs jours, et de toute manière, je pense que, voilà, vous verrez ceux qui ont été retenus au moment où il y aura la première vidéo du premier épisode. Je pense que je referai pas de vidéo pour le casting, donc n'hésitez pas à participer. Je peux vous répondre dans plusieurs jours, ça se fait dans 3 semaines quand j'aurai déjà commencé la série. Peut-être que finalement j'aurai un personnage que je devrais rajouter et je vous contacterai seulement dans 3 semaines. Voilà, vous inquiétez pas. Et ben écoutez, sur ce, moi je vous laisse et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao.